Bonjour, pourquoi je te montre cette tasse? Parce que pour le moment, c'est pas possible que tu peux déguster avec moi ce café que nous allons préparer ensemble. Et pour montrer toi comme est l'arôme, je vais user cette tasse. On ira voir pourquoi cette tasse. Alors, nous allons aussi tester cet Ario qui est arrivé aujourd'hui. Vraiment joli avec cette olive en top. Et bon, nous allons préparer cela. On va starter. Après, je vais te dire quel café nous allons user. Ce sont 30 grammes. Nous allons prendre ça très fraîche. C'est le café qui est arrivé aujourd'hui. Mettre 400 millilitres d'eau et après ça 2 minutes d'extraction. Voilà. Et le café qu'on va préparer, c'est un café que j'ai déjà testé au moins fois. Mais je n'ai pas pu présenter parce que c'est une test qu'on m'a donné une petite part. Alors, je n'étais pas sûre si je peux présenter. Mais maintenant, il est dans le shop. C'est un café de Edoquart. Cela, c'est de Colombia, une experimental lot. Et j'irai faire une photo de ce café, mais c'est un café processed que j'ai, c'est écrit thermal shock and microorganism fermentation. Et l'arôme, c'est une bombe. J'ai déjà présenté l'autre café que j'aime de cette partie de Edoquart, c'était la Costa Rica. Il a eu l'arôme d'une tarte liquide des pommes, oui. Et cela, c'est une autre complexité, mais tu iras voir quelle complexité. C'est vraiment un café que je crois que toi aussi tu irais aimer. Alors, maintenant je t'irai faire voir pourquoi cette tasse. Ça, voilà. On prend cette tasse. On a écrit ici, regarde. We are all mad here. C'est vrai, nous sommes tout fous. Tout folles, comme on dit. Crazy. Et l'arôme de ce café, c'est comme cette tasse. Maintenant, tu iras voir. Regarde. Pourquoi je choisis cette tasse? Parce que si tu s'arrêtes ici, maintenant tu iras, comment on dit, sniffer l'odeur de cette cape. C'est vraiment, ça me rappelle à fraise. Framboise, c'est vraiment une bombe de complexité. Oh, c'est vraiment une rêve. Et l'arôme, c'était comme cela, cette couleur. C'est un arôme à avoir. Après, une couleur, ça reste comme cela. Hein? On s'appelle vraiment fraise, framboise. Il y a aussi du jasmin. Ça me rappelle un peu là. Quand j'étais petit, j'ai mangé le déjeuner. Du pain, du beurre et la marmelade de fraises et framboises. C'était comme cet café ici. Et j'ai allé aussi faire cela comme granita.
et cold brew, je crois que c'était vraiment un café très très parfait pour ses préparations. Et quand tu verras à visiter le musée, je crois que j'irai toi donner cet café. Et si vous avez la possibilité de tester le café, écrivez-moi que vous pensez de cette cape, parce que pour moi c'est vraiment vraiment une fête de cette de cette cape. Alors on se verra, hein? Bye bye.